Eh bien, salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo où on va aller donc en Dendé. Donc le champ qu'on avait fauché tout à l'heure. Donc voilà. Donc c'est parti. Alors avant de commencer la vidéo, je tenais à vous faire part d'un petit truc. Donc rappelez-vous, le Fendt, il grinçait. Donc ça, c'est la faute. Il grinçait. Et là, vous voyez, il grince plus. Et du coup, j'ai donc mis qu'on appelle ça, du dégraissant. Enfin, non, du dégrippant plutôt. Et ça marche plutôt bien. Et pour la remorque du camion aussi, qui faisait un sacré bruit, j'ai mis du dégrippant. Donc ça, les grincements que vous entendez, c'est le camion, c'est pas la remorque. Le camion, j'ai pas pu faire, j'ai pas eu le temps, mais je le ferai un jour, il faut démonter, donc voilà. Donc c'est parti, donc on va en dénier. Hop, donc j'ai pris la petite fella, là, le petit endaineur fella. Donc je retrouve au champ. Bien heureux, donc voilà. Donc d'habitude, avant de faire les andins, on passe un coup de je sais plus comment ça s'appelle là, de herçage, un truc du genre là pour retourner la paille pour pas que ça fasse d'andain. Et donc après on andaine, je sais pas si vous m'avez déjà compris. Donc voilà, hop, donc elle tourne plus trop, il tourne plus trop cet andaineur, ça fait très longtemps que je l'ai. Hop, voilà. Donc bon, je serais payé hein, de tout avec le déplacement et tout. Quand je fauche et tout, je fauche souvent chez les champs de la Puma. Voilà, on s'entend bien, donc du coup je fauche. Hop, voilà. Là je vais passer un coup d'andain par là, parce que ça a mal été passé. Voilà, donc ça allait assez vite. Donc on va remettre l'ordaineuse. Hop. Et hop, c'est parti. Je vous retrouve à la ferme. Bien heureux, donc voilà, donc là je suis à côté de la citerne, donc j'ai en profité pour faire le plein. Il me reste que 18 litres, c'est pas beaucoup. Du coup, je vais refaire le plein à 150 litres. Voilà. Hop. On va pas se priver hein. Tant qu'on est à côté de la citerne. Donc voilà, je viens de faire le plein, je suis allée un peu vite. Hop, je remets les petites barrières, voilà. Donc c'est des trucs de protection ça, parce que des fois je me fais voler mon fioul, donc c'est de la sécurité. Voilà. Hop, on recule. Aussi, je pense que vous allez me demander où c'est que ça en est pour le lisier. C'est vrai que j'en parle vraiment pas beaucoup sur ma chaîne. Parce que oui, j'ai une tonne à lisier, donc elle n'est pas là, hein, pareil. Je la ramènerai bientôt. Et donc, bah, le lisier, j'en ferai quand j'aurai la tonne à lisier. Parce que là, la cuve qui est sous terre est même pas remplie, presque. Parce que, voilà quoi, elle est géante. Voilà, donc j'en ferai hein, pour ceux qui aiment bien viser. Voilà. Donc voilà, c'est une cuve fait maison. Hein, donc c'est pas une jusqu'à un 3e, 2 essieux quand même. C'est juste une petite cuve fait maison comme ça avec un vieux châssis. Hop. Donc, ben voilà, quoi, il y a juste ça. Il y avait juste ça à faire sur la ferme. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc je vous dis à la prochaine fois. Donc ben voilà. Allez, salut!